D'abord dans Lévitique. Let us read first in Leviticus. Chapitre 20, verset 27. Chapter 20, verse 27. Gloire à Dieu. Lévitique chapitre 20, le verset 27. Si un homme ou une femme en a l'esprit d'un mort ou un esprit de divination. Reprends. Que les mots sortent correctement. Read it again. Let the word come very clearly. Lévitique 20, 27. Si un homme ou une femme en a l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Amen. Leviticus chapter 27. Verse 27. A man or a woman who is a medium or a spiritist among you must be put to death. You are to stone them. Their blood will be on their own heads. Amen. Si un homme, if a man ou une femme, or a woman ou un d'eux, having themselves l'esprit de mort, the spirit of a dead, ou l'esprit de divination, or is a medium, ils seront lapidés. They will be stoned. Ne sois pas étonné que dans les combats, do not be amazed that in the battles, on rencontre beaucoup d'esprits de mort. We meet lot of spirit of death. Et la mort. And death itself. Ce sont des vérités publiques. There are public truths. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit, if you meet someone who tells you, qu'il n'y a pas les esprits de mort, there is no spirit of death, il faut passer. You should pass by. Il faut passer. Should go your way. Mais si tu sens que tu es en, qu'un esprit de mort t'habite, but if you feel that a spirit of death is in you, cherche ta délivrance. Seek your deliverance. Laisse les discours. Stop the arguments. Les vains discours. The vain arguments. C'est toi qui souffres. You are the one who is suffering. Le faux docteur te trompe là. The false doctor who is deceiving. Mais c'est toi qui vis la réalité. You are the one who experiences. C'est toi qui ne dors pas. The truth. You are the one who is not sleeping. Dieu qui t'a créé te dit. God who created you says. Les esprits de mort, c'est-à-dire les êtres humains comme toi et moi qui sont morts, les esprits entrent dans les hommes. God says that the spirit of human being like you and I, l'homme, who are dead, enter people. L'homme est comme une maison. A man is like an house. Les esprits peuvent l'habiter. Spirit can dwell in him. Tout ce qu'on appelle méchant esprit. All that is called evil spirits. Peut décider d'entrer dans un homme. Can decide to enter a man. Quand dans l'Ancien Testament, quand l'esprit d'un mort possédait quelqu'un, c'est-à-dire était entré dans l'homme, Dieu demandait qu'on le tue. In the whole covenant, qu'on lapide cet homme. When the spirit of a dead entered a man, God asked people to stone this man. C'est dans la nouvelle alliance. It is in the new covenant. Qui est l'alliance de la victoire. Which is the covenant of a victory. Qu'on chasse les esprits de mort. That we cast out the spirit au of death. Au nom de Jésus de Nazareth. On behalf of Jesus of Nazareth. Et tu restes vivant. And you remain alive. Dans l'Ancien Testament. In the old covenant. Il y aurait eu autant de morts que des gens qui ont manifesté. Dès que ça se manifeste, on te lapide. In the old testament, we will have as
many dead as we the demon, the spirit of death showed up. As soon as it manifests itself, you are stoned. Concernant la divination, regarding divination, l'esprit du serpent, the spirit of the serpent, est le principal esprit de divination. Is the main spirit of divination. Les gens qui ont adoré le serpent dans le passé, people who had worshipped the snake in the past, dans leur famille, ils étaient des grands voyants. In the families, they were great mediums. Ils donnaient les prophéties. They used to give oracles. Lisez pour nous Actes chapitre 16. Read for us Acts Apostle chapter 16. Tu lis à partir du verset 16. From verse 16. Actes chapitre 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit : je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Anglais. Acts chapter 16, reading from verse 16. Once, when we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. This girl followed Paul and the rest of us shouting, these men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved. She kept this up for many days. Finally, Paul became so troubled that he turned around and said to the Spirit, in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. At that moment, the Spirit left her. When the owner of the slave girl realized that the hope of making money was gone, she seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authorities. Amen. Amen. Relis verset 16 en français. Read again in French, verse 16. Comme nous allions au lieu de prière. Comme nous allons au lieu de prière. As we were going to the prayer place. Une servante qui avait un esprit de python. Une servante. A servant. Qui avait un esprit de python. Who had a spirit of python. Une servante. A servant. Qui avait un esprit de python. Who had a spirit of python. Faisait quoi? Et qui, what en devinant, procurait non, un... Non, reprends. Qu'est-ce que l'esprit faisait? What was she doing? Et qui, en devinant... Et qui, en devinant, c'est-à-dire en prédisant le futur. It's mean by predicting the future. Comme dit la version en anglais. Lis la version en anglais. Let's read verset 16. The English verse. Verse 16. Once we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of which she predicted the future. Il avait un esprit. She had a spirit. Avec lequel elle prédisait le futur. With which she predicted elle the future. Elle prédisait l'avenir. She was predicted the future. C'est ça qu'on appelle la divination. This is what is called quand divination. Quand tu dis l'avenir. What you say, you predict the future. Certaines personnes ont des versions. Some people have versions. Qui ne traduisent pas comme dans Luc second. Which don't translate it as in Luc second. Luc second dit bien, bien. Luc second tells it very well. Dans Lévitique. In Leviticus.
Le second dit bien l'esprit d'un mort et un esprit de divination. Le second said the spirit of a dead is the spirit of divination. Alléluia. Amen. Elle avait un esprit de python. Quand on prie contre les serpents là, prends ça au sérieux. She had the spirit of a python. When we pray and we separate you from it, take it seriously. Si tes parents, tes ancêtres ont adoré le serpent, tous les descendants ont les esprits de serpent. If your parents or your ancestors worshipped the snake, all the descendants have the spirit of the snake. Quand tu cherches ta délivrance, when you are seeking deliverance, il faut prendre la honte, tu jettes par terre. You must put shame aside. Il y a des gens, si on les invite à une salle de délivrance, there are people, if they are invited to a deliverance ils ne viennent, time, certains ne viennent pas. Some will not come. Ils disent, on va m'humilier là-bas. They say, I will be humbled over there. Quand je vais tomber. I will fall down. Je vais vous dire comment ça se fait. Let me tell you how it is doing. Quand on juge les démons, when we are judging the demons, beaucoup de démons dédalent sans crier, sans manifestation. Many demons live without shouting. Des milliers. Thousands. Si le Seigneur te donne la vision un jour de voir comment les démons fuient, tu seras dans le repos total. If the Lord gives you the vision one day to see how the demon flee away, you will be very happy. Ça, c'est une catégorie. It's a category. Il t'étale seulement. But just leave. Il y a même des démons, si tu entends un cantique, qui fuient. There are some demons, as soon as you start singing, they leave. Certains démons, tu commences à prier, ils fuient. Some demons, you start praying, they flee. Il y a même des démons, tu lis la Bible à haute voix, ils fuient. There are some demons, while you are reading the Bible loudly, they flee. Sans manifestation. Without showing themselves. Mais il y a des démons. But there are demons. Pour qu'ils sortent de toi. For them to get out of s'ils you. S'ils ne crient pas, s'ils ne crient pas. If they don't shout. Ils ne sortent pas. They cannot go c'est out. Quand ils crient, waah! It's while they shout, waah! Ils sortent. That they go out. Il y en a. There are some. Si tu ne vomis pas. If you do not vomit, si tu ne vomis pas, si ne te fais pas vomir pour sortir, if I don't make you vomit, they cannot get out. Donc on ne choisit pas comment le démon va sortir. So we don't choose how the demon is going to go out. Toi tu combats seulement. You are just fighting. Il y en a. There are some. Tu craches, mais les crachats là, tu sens que c'est démoniaque même. You just spit, and you know ça that ta bouche, tu craches encore. Tu it vas feels, empêcher ça comment? It fills your mouth, and you spit. Ton travail, your work, c'est déloger le démon. Is to take the demon out. Ce n'est pas de faire softly, doucement. It's not to do it softly. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le démon que tu as protégé là, avec l'orgueil va partir aujourd'hui. The demon that you have protected with pride will leave today. Une servante. A servant. Qui avait un esprit de python. Who had the spirit of a python. Qui lui permettait de prédire l'avenir. Which allowed her to predict suivait the future. L'apôtre Paul et les autres. Following Apostle Paul and the others. Au début. At the start, je suis sûr I'm sure que les apôtres croyaient que c'était vraiment de Dieu. That apostles believed that it was from God. Mais but la manière de prophétiser là, the way of prophesizing, c'était quand même préoccupant. It was very. It gave them a concern. La parole dit. The word says. Fatigué. Tired. C'est-à-dire c'était fatigant. It was tiresome. Si tu adores Dieu, if you worship God,
dans une église, in a church, où on peut commencer les prophéties, dès qu'on dit Alléluia, les prophéties commencent. As soon as we say Alléluia, prophecies start. Jusqu'à 17h. Till 5 p.m. Il y a un problème. There is a problem. Fatigué. Tired. Fatigué. Tired. Tout ce qui fatigue. All the tired people. On ne fait que parler. But just speak. Mon fils. Un frère me dit qu'il était quelque part. A brother told me that he was somewhere. L'esprit siffle. Et lui aussi, parle ton serviteur, écoute. Parle ton serviteur. Toute la journée, les prophéties. Talk. Your servant is listening. Fatigué. The whole day. Paul. Tired. Dit à l'esprit. Sors. The spirit go out. Bam, l'esprit est parti. And the spirit left. Les gens qui utilisaient la jeune fille pour faire le commerce. People pour avoir who l'argent, were using the young girl. Se sont saisis de Paul. As their business and to win et money. Une grande persécution says a commencé. Paul and a big persecution started. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis Lévitique, Lévitique 19. Read Leviticus 19. Lévitique 19 verset 6. 19 verset 6. Lévitique 19 verset 26. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous ne mangerez rien avec du sang. You will not eat anything with blood inside. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Amen. Well, read it in English. Read it in English. Leviticus 19, verse 26. Do not eat any meat with the blood still in it. Do not practice divination or sorcery. Amen. Amen. Il y a des serpents qui donnent les pronostics, qui donnent les prophéties. There are serpents which give prophecies. Je veux dire qu'il ne s'agit pas seulement de pitons. Donc les serpents, d'une façon générale, c'est ce qui ressort dans Lévitique ici. I want to say it's not only pythons, it's all the snakes. This is what is quoted in Leviticus here. N'observez pas les serpents. Do not watch the snakes. Pour prédire l'avenir. To predict the future. Que son esprit n'habite pas en toi. Let his spirit not dwell in you. Nous avons délivré un bandit. We delivered a bandit. Dans ses pratiques occultes pour devenir un grand bandit, un grand voleur. In his occult, his action of occultism to become a big bandit, a big thief. Il avait observé un jeûne de 45 jours. He took a fasting of 45 days. À un certain niveau, pendant le jeûne, on lui a donné un serpent, il l'a avalé. And at a certain level of a fasting, he was given a snake that he swallowed. Donc, il avait reçu un esprit de divination. So he received a spirit of divination. Il volait même dans les banques. He used to steal even in the banks. Que personne ne te trompe, ça existe. Let no one deceive you. It exists. Ça existe. It exists. Si tu as négligé, if you have neglected it, vous savez, pour être délivré des esprits humains, you know, des esprits to be delivered, des morts, des démons. For human spirit, et les autres esprits, and from demon and over spirits, il faut qu'il y ait en toi. It takes that it should be in you. Une sainte colère. A holy anger. Contre des démons. Against demons. Qui viennent t'habiter là où Dieu doit habiter, ils viennent s'asseoir dedans. Who come and live in you, the place you are living, they come and sit inside. Ne prie pas seulement parce que tu es malade. Do not pray only because you are sick. Il faut que tu te poses la question, qui m'habite? You must ask yourself, who is dwelling in me? Et que ça te mette en colère. And you should get angry about it. Une telle colère a déjà frappé l'ennemi.
Such a anger has already stricken the enemy. Si quelqu'un a des esprits, if someone has spirits, sa préoccupation c'est de ne pas manifester. His concern is not to manifest them. You are not normal. Tu dois être en colère. You must be angry, upset. Que les démons habitent la maison de Dieu. Of the fact that demons are dwelling in God's house. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Deutéronome 18, 10 à 11. Deutéronome 10, verse 10 to 11. Deutéronome 18. Deutéronome 18. 10 à 11. 10 to 11. 10 et 11. 10 and 11. Deutéronome 18, verset 10 et 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Amen. Deuteronomy 18, from verse 10 to 11. Let no one be found among you who sacrifices his son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is in a medium or spiritist, or who consults the dead. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, qu'est-ce que la Bible dit? You know what is the Bible saying? Relisons ensemble. Let us read it together. Soyez attentifs. Be very attentive. Qu'on ne trouve chez toi personne. Let no one be found among you. Qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Who sacrifices his son or daughter in the fire. Personne qui exerce le métier de devin. Who practices divination. D'astrologue. Sorcery. D'augure. Interprets omens. De magicien. Interprets omens. D'enchanteur. Engages in witchcraft. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Who consult people who call on spell. Continue. Ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. No one who consults the dead. Ou bien qui invoque les morts. Or who call the dead. Évoquer. To call. Et invoquer sont différents. Évoquer, c'est faire que le mort apparaisse. So to do so as a dead appear, qu'il vienne, he comes. Donc il y a des pratiques. So si, there are practices. Si on le fait, if they are done, ton père peut apparaître. Your father, your dead father, can appear. Mais invoquer, but c'est crier le secours, c'est prier pour appeler le secours. Calling upon, it means call something at your rescue. Donc, le Seigneur interdit so d'appeler Lord, les morts au secours. The Lord forbid to call the dead at your rescue. Si quelqu'un est déjà mort, if someone is already même dead, si c'est ton père et ta mère que tu aimais, ne les appelle plus, c'est fini. It is your father or your mother that you loved, don't call them again. Ne t'enferme pas. Il y a des gens qui s'enferment dans la chambre et commencent à pleurer, demandant à leurs parents de venir les aider. There are people who lock themselves in the bedroom, start crying, asking les the parents. Morts, bien sûr. Asking the dead parents to come. Personne qui évoque. No one who call
Personne qui invoque les morts, qui interroge les morts. No one who call the spirit and no one who call upon the rescue of the dead. Les morts the dead peuvent t'indiquer les médicaments que tu dois prendre pour guérir. Can show you the medicines that you should take to get to be healed. Tu peux rêver qu'une grand-mère t'a dit, va en brousse, tu prends ça, tu prends ça, tu viens boire. You can dream and you meet someone who tells you, go into the bush, take this and that, come and drink. Il peut te dire, prends ça, tu vends. He can tell ça you. Ça va te donner l'argent, c'est ce que je peux te donner. Take this, go and sell it, you will win money. It's what I can give you. Elle est dans le séjour des morts. She's in the Hades. Elle te donne. And she gives. Elle t'oriente. She leads you. Elle te donne des révélations. She gives you revelations. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si quelqu'un est, si un homme ou une femme ont en eux, If a man or a woman have in themselves l'esprit d'un mort, the spirit of a dead, ne fasse pas ce verset-là. Do not clean this si, verse. S'il n'existe pas dans ta Bible, ta version n'est pas authentique. If it does not exist in your Bible, it means that you don't have a right version of the Bible. Et ta version ne peut pas te permettre de bien combattre. And your version cannot allow you to fight the right way. Parce qu'on combat avec la parole de Dieu. Because we fight with God's word. Paul, fatigué. Paul, tired. A dit à l'esprit, sors. Told the spirit, come out. Boum, le python est parti. And the python left. L'envoûtement. Bewitchment. L'envoûtement peut permettre plusieurs choses. Bewitchment can allow many things. Un. One. L'envoûtement peut permettre aux esprits de demeurer en toi. Bewitchment can allow spirit to live, to stay in you. Et quand cet esprit est en toi, and when this spirit is in you, il a un rôle qu'on a assigné à cet esprit. He has a role, a duty, a task which is assigned to it. Tu peux être malade tous les jours de ta vie. You can be sick all the days of your life. Tu peux manifester la colère chaque seconde comme un démon. You can show anger every time as a demon. Quand tu entends des gens dire je me masturbais cette fois, c'est un envoûtement. If you when you hear people saying I used to masturbate myself 7 times, it's a bewitchment. L'envoûtement peut te faire boire tout ce que tu vois. It can make you drink everything that you can see. Tu as une puissance pour boire. You have a power to drink. Tu ne manges même pas. You don't even eat. Et tu ne meurs même pas. And you are not dying. Si un homme normal fait la même chose, il va mourir. If a normal man do the same, he will die. Donc les démons te manipulent et t'exploitent. Ton corps devient comme leur cheval. So demons manage and exploit you. You become like a slave. L'envoûtement bewitchment peut faire que ton esprit écoute ça très bien. Listen this carefully. Si on t'a envoûté dans une forêt au village, if you have been enchanted in a forest in the village, même si tu vas aux États-Unis, en France, partout, mais ton esprit va toujours t'amener là où tu es envoûté. Even if you go everywhere, I mean in USA, in France, everywhere, your spirit will always send you back to the place you have been enchanted. Parce que la personne qui t'a envoûté a un maître. Because the person who bewitched you has a master. Les techniques qu'il utilise lui ont été données par un maître. The techniques he used have been given to him by a master.
Ce maître-là a un siège aussi. Ils ont leur quartier général aussi. This master has also his headquarters. Si c'est la forêt. If it is a forest. Même si la personne qui t'a envoûté t'envoûte à tes quoi. Even if the person who has bewitched you in a tiegua. Mais ton esprit sera au village. Your spirit will be in the village. Il t'envoûte à Paris. Dès qu'il finit, he bewitch you in Paris. L'esprit qui lui donne la force pour t'envoûter, il te récupère et tu es avec eux dans leur quartier général. As soon as he finish, the spirit which allow him to bewitch you collect you and you find yourself in the headquarters. C'est pour cette raison que this is the reason why. Dès que les gens envoûtés tombent, as soon as people who are bewitched fall down, ou bien qu'on commence à chasser l'esprit qui les anime, or we start casting out the spirit which is in themselves, ils se retrouvent au village. They c'est-à-dire found themselves in the village. Vous êtes à Tiekwa, vous chassez le démon. You are in a Tiekwa casting out the demon. Mais la personne et vous-même, vous êtes dans son village. But the person and yourself are in his village. C'est un combat spirituel. It's a spiritual warfare. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dès qu'il tombe, c'est au village. As soon as he falls. C'est-à-dire spirituellement, tu es lié là-bas. Tu peux te promener partout, mais tu es lié là où l'envoûtement prend la force. You can wander everywhere, but you are tied. The place where bewitchment takes its strength. Donc, dans ce cas-là, so in this case, on n'est même pas délivré en disant sort. You are not even delivered while we are saying go out. On peut même dire à l'ennemi, laisse-la et va-t'en, et puis il s'en va. We can even tell the enemy, leave her alone and leave. La personne qu'on délivre peut même voir comment l'esprit est devant. The person who is being delivered can see how the spirit is in front of her. Et comment il résiste. And how he is resisting. Et il peut entendre comment les frères disent, va. He can hear our brothers are saying, go. Il peut voir comment l'esprit s'enfuit. He can see how the spirit is fleeing. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Certains sont donc dans des prisons. Some are therefore in prisons. Si tu dis démon, sort. If you say demon, go out. Rien. Nothing. Sort, rien. Go out, nothing. Si le Saint-Esprit te dit, but if the Holy Spirit tells you, casse la prison. Break the prison. Casse. As soon as you break it, la personne crie, wow, l'esprit est parti. The person shouts, wow, the spirit is gone. L'esprit sort de la prison. And the spirit of the person gets out of the prison. And it comes back to him. La délivrance est finie. And the deliverance is over. Les esprits comme les pitons, les reptiles, avalent même les âmes, avalent. Ton corps spirituel est libre, mais ton âme est dans son ventre. The spirit like pythons and spirit swallow people. It means that your physical body is free, but your spirit is in stomach. Ça lui donne la puissance. It gives it the power. Mais humainement, physiquement, ça te rend misérable et pauvre. But humanly saying, it makes you miserable and poor. D'autres. Some. L'envoûtement permet à l'esprit d'être dans ta vie, pas en toi, mais dans ta vie. The bewitchment allows the spirit not to be in you, but in your life. Il dort dans la chambre où tu dors. He sleep in the bedroom you sleep. Il monte dans le car. He get in the car as you are getting. Tu marches, il est derrière toi. You walk, he is behind you. Dans certains endroits, in some areas, il y a des gens qui ont dit à certaines personnes, il y a ce qui te suit là, ce n'est pas bien. People were said, what is following you is not good. Parce qu'ils voient comment tu es devant, l'autre est derrière et te suit. Because they can see how you are in front, partout, and the other partout. Is behind following you everywhere. C'est ce que la plupart des maris de nuit font.
is what most of the spirit husbands do. Il y a des maris de nuit qui n'habitent pas dans la personne. There are spirit husbands who don't believe in the person. Mais qui te rendent visite partout. Tu marches. But they visit you everywhere. Quand quelqu'un dit je vais t'épouser, tout ça, il entend. If someone say I want to marry you, they can hear it. Après, il attaque la personne. And later he attacks the person. La personne commence à sentir une frayeur. Quand il pense à toi, il y a une frayeur. And the person starts feeling a frightening, a fear. As soon as he thinks about you, he is scared. Tu ne comprends rien. You understand nothing. Tu appelles maintenant. Vous avez bien causé le premier jour, le deuxième jour. Maintenant, tu appelles. Il fuit seulement. You have chatted very well the first day, and the second day you call, the guy is just fleeing you. Ça commence dans le monde, tu donnes la vie à Jésus, ça continue. It starts in the world, you give your life to Jesus, and it continues. C'est pour cette raison que le Seigneur donne du travail à l'église. This is why the Lord gives work to the church. Pour détruire, c'est l'église qui peut détruire ça. To destroy it. It's the church which can destroy that. Tu prends ça, tu vas chez le sorcier. Le sorcier va te dire que tu as une femme de l'autre côté. Il faut qu'on vous marie. If you take this issue and you go and see a witch, he will tell you, you have a wife on the other side. You should get married with her. Il y a des sœurs à qui on a dit, on va te marier. Tu as un mari. Tu as un mari. There are sisters to whom they say, you have a husband. We need to marry you. Tout ça va finir ce soir. All that are going to stop tonight. Ça va finir. It will stop. Donc les témoignages que vous entendez sont fondés. Quand j'écoute les témoignages, je vérifie même la doctrine. So the testimonies that you hear are founded. When I'm listening to the testimony, I revise the doctrine. Quand tu es envoûté, when you are bewitched, tu peux rêver ta délivrance. Tu peux rêver ta délivrance. You can dream of your deliverance. Tu peux rêver que tu luttes avec un esprit. You dream and see that you are fighting with a spirit. Alors qu'avant, tu ne luttais pas. In the past, you do not. Il venait, il couche avec toi, il s'en va. Il vient, you il couche not avec toi, il s'en va. Fight. He comes, he visits you, he chats with you and leave. Dès qu'on brise tes liens, as soon as your ties are broken, que tu as donné ta vie à Jésus, you have given your life to Jesus. Il revient. He comes back. Tu le vois venir. You see him coming. Tu juges. You condemn. Il peut tomber, il peut s'enfuir. He wants to fall and he flees. Il peut discuter avec toi, tu me chasses pourquoi? He can even argue with you, why are you casting me out? Ça existe. It exists. Il peut te dire, je m'en vais, je m'en vais. And he can tell you, I am leaving. Et le résultat sera la fin des couches de nuit. And the result will be the end of the sex with it. Si ça recommence, if it comes back, c'est que tu as ouvert une porte. It means you have opened a door. Car il est écrit, for it's written, celui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent. Who overthrow a wall will be bite by a snake. Et la parole de Dieu dit que le diable rôde autour de vous. But the word of cherchant God says qui va dévorer. That the devil is turning around you looking for whom he will devour. Quand le mari de nuit est terrassé, qu'il est battu, il fuit là. When the spirit of husband is overcome and he flees. Il cherche un lieu de repos. He look for a rest place. S'il ne trouve pas, if he does not find, il reviendra voir si c'est possible de revenir. He will come back and check if it is possible for him to come back. Si tu es toujours concentré, if you are still focused, il sera toujours battu. He will be always overcome. Mais s'il trouve que tu as repris avec le mensonge, l'immoralité, toi-même tu es retourné dedans. If he finds you that you have gone back to your liars and your impurities, lui aussi s'organise. He will organize himself pour ne pas te perdre. To not lose you.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut, ce n'est pas n'importe qui peut venir habiter en toi par son esprit. It is not whoever who can come and live in you through his spirit. Il y a des sorciers qui ont des pratiques qui leur permettent de sortir du corps. There are some witches who have some practice which allow them to get out of a body. Sortir du corps. To get out of a body. On leur enseigne ça. They are taught it. J'ai déjà rencontré des gens, ils m'ont dit comment on leur a, comment on a enseigné, comment ils ont pratiqué, ça a marché. I've already met people who told me how they were taught and how they practiced it and how it worked. Il y a un jeune homme que je n'ai pas pu aider. There's a young boy I did not succeed in helping. C'était à Douala. It was in Douala. Parce qu'on venait déjà en mission. Because we were already about to come on mission. Je crois une ou deux semaines avant, il est venu me voir. I believe it was one or two weeks before he came and met me. Qu'il était dans une secte. He told me that he was in a sect. On lui a dit d'allumer une bougie rouge. He was asked sur le haut plafond. To light a red candle and put it on the roof. Pas une bougie, une ampoule. A lamp. Une ampoule rouge. A red lamp. Et on lui a donné un mot qu'il doit prononcer plusieurs fois, le même mot. And he was given a word that he were to pronounce many times, the same word. Et on lui avait dit, tu te couches sur le dos. And they asked him to sleep, to lay il a commencé. On his back. And he started. Il dit, à un moment donné, le toit de la maison a disparu. At a certain time, the roof of the house disappeared. Et son âme sortait de lui. And his soul was getting out of him. Il a entendu une cloche. Bon. He heard a ring. Bang. Il a eu peur. Il a tremblé. Il est revenu dans son corps. He was scared. He trembled. And he came back in his body. C'était fini. It was finished. Il ne pouvait plus travailler. He could no more walk. Il me dit, là où tu me vois, je ne peux pas me concentrer. He said, where you see me, I cannot concentrate myself. Tout est désordonné. Everything is disordered in my body, in my being. Ça existe, ces pratiques-là. They exist, those practices. Faut pas douter pour rien. Do not doubt for nothing. Si tu trouves quelqu'un qui est dedans, if you find someone who is inside, pour l'aider, pour l'aider, pour pouvoir l'aider, to help me, to be able to help him, il faut posséder certaines révélations. You must have some kind of revelation. Sans lesquelles tu ne peux même rien comprendre. Without which you cannot understand anything. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La révélation, c'est quoi? C'est simple. C'est l'illumination de ton intelligence. The revelation is very simple. It's the enlightening of your intelligence. Quand le Seigneur ouvre ton esprit. When the Lord opens your mind. Sans révélation. Without the revelations. Tu ne comprendras rien. You will understand nothing. Quand tu lis. When you read. Un esprit de python possédait une jeune. Tu ne comprends même pas ce que ça. A spirit of python was in a young girl. You cannot understand. C'est comme si tu n'as même pas lu ça. It's like you have never read it. Mais si Dieu t'accorde la grâce, but if God gives you his favor, de comprendre ça spirituellement, to understand it spiritually, tu peux être utile. You can be useful. Tu peux aider. You can help. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Vous comprenez donc pourquoi. You then understand why the work contre pour le désenvoûtement for the disenchantment est très important. Is very important. Et c'est le travail de l'Église. And it is the work of the church. Ce n'est pas le travail d'un individu. It is not the work of an individual. Certaines prières qu'on élève ici. Some prayers that we raise here. Si tu te retires seul, il n'y aura pas d'effet. If you go alone. They will have no effect. I'm not saying all of them. I say some of them. Là où l'Église doit intervenir. Where the church should intervene. Si tu te présentes seul.
If you present yourself alone, tu n'auras pas de grands résultats. You won't have big results. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pour prier ce soir. To pray tonight. Nous allons réviser deux leçons simples. We are going to revise two simple lessons. La première leçon, c'est le sang de Jésus. The first lesson is the blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Quelqu'un lit Matthieu chapitre 1, verset 21. Let someone read Matthew chapter 1, verse 21. Rapidement. Quickly. Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Matthew chapter 1, verse 21. She will give birth to a son, and you are to give him the name of Jesus, because he will save his people from their sins. Amen. Notre Seigneur, our Lord, devait naître d'une vierge. Were to be born from a virgin. Et le Père and the Father avait déjà indiqué son nom. Had already given his name. Jésus. Jesus. C'est le nom de notre Seigneur. Is the name of our Lord. Christ. Christ. Est son titre. Is his title. Qui il est? Who is he? Est désigné par Jésus. Is designed by Jesus. Ce qu'il devait faire. What he were to do. Est désigné par Christ. Is designed by Christ. Ça donne donc Jésus Christ. It then gives Jesus Christ. C'est-à-dire Jésus le Messie. It means Jesus the Messiah. Jésus le Sauveur. Jesus the Savior. Jésus l'Envoyé. Jesus the Saint One. The Sendee. Vous notez ceci. Write it down. Les expressions. The expressions. Pour désigner le sang de Jésus. Pour des mots utilisés. Les expressions utilisées pour désigner le sang de Jésus sont. The words used to quote the blood of Jesus. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Christ. The blood of Christ. Le sang de l'agneau. The blood of the lamb. Le sang de l'alliance. The blood of covenant. Le sang de l'aspersion, je reprends. The blood of aspersion. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Christ. The blood of Christ. Le sang de l'agneau. The blood of the lamb. Le sang de l'alliance. The blood of the covenant. Le sang de l'expiation. The blood of aspersion. Sorry. Ça désigne une seule et même chose. All that related to only one and same thing. Donc, c'est le sang de Jésus. It's the blood of Jesus. Qui rend possible les choses suivantes. Which makes possible the following things. Le sang de Jésus rend possible les choses suivantes. The blood of Jesus permits the following things. L'adoption. Adoption. Dieu fait de toi son fils, sa fille. God makes of you his son or his daughter. La rémission des péchés. The forgiveness of sins. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Dieu pardonne ton péché. God forgives your sin. Sans effusion du sang. Without bloodshed. Il n'y a pas de pardon de péché. There is no forgiveness of sins. Tous les péchés. All the sins. Depuis l'Ancien Testament. Since the Old Covenant. Sont pardonnés quand il y a effusion du sang. When there is the sharing of Jesus' blood. Et le sang de Jésus. And the blood of Jesus. Ayant coulé à la croix. Having flowed at the cross.
nous pouvons maintenant aller obtenir le pardon des péchés auprès de notre Dieu, auprès de notre Père céleste. We can now go and get forgiveness toward our Father. Le sang de Jésus rend possible la justification. The blood of Jesus makes possible justification. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus rend possible le rachat. The blood of Jesus makes possible the redemption. Vendu. Sold. Mais le sang te rachète. But the blood redeems you. Le sang te rachète. The blood redeems you. Tu ne peux pas remporter de grandes victoires. You cannot have big victories. Si tu ne connais pas ces vérités. If you don't know those truths. C'est le sang de la rédemption. It is the blood of redemption. C'est-à-dire le sang de Jésus rend possible la rédemption. It means the blood of Jesus makes possible redemption. Le sang de Jésus rend possible la propitiation. The blood of Jesus makes possible atonement. Lave le péché. It cleans the sins. Quand tu connais when you know ce que le sang de Jésus a fait, what Jesus' blood has done, tu t'approches de Dieu sans trembler. You get close to God without trembling. Quand tu t'approches de Dieu, when you are getting close to God, tu ne vois plus tes péchés. You see no more your sins. Ta conscience est purifiée. Your conscience is purified. Tu as le courage. You have a courage. Quand le démon te voit, when the demon sees you, il voit le sang de Jésus. He sees the blood of Jesus. Il a peur. He is scared. Il y a des gens qui essaient de délivrer les autres. Dès que le démon dit, hey, tu n'as même pas bien lu la Bible aujourd'hui, il fuit. There are people who try to deliver others. As soon as the demon say, you have not read the Bible even today, but just flee. Il peut dire un démon, sort. You can tell a demon, go out. Il dit, ah, he says, ah, tu n'aimes pas les frères. You don't love brothers. Il dit que ça ne te regarde pas. Tell him it's not your problem. Ce n'est pas toi le juge de la terre. You are not the judge of the world. Sors. Go out. Et il va partir. And he will leave. Et puis les démons sont des gros menteurs. And demons are big liars. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que le sang est sur toi? Is the blood on you? Yes. Le sang est sur toi. The blood is on you. Dis, je proclame, say, I proclaim que je suis caché sous le sang de Jésus. That I am hidden under the blood of Jesus. Je proclame, I proclaim que je suis caché, that I am hidden sous le sang de Jésus. Under the blood of Jesus. Dis Hébreux chapitre 9 verset 14 à 15. Read Hebrews chapter 9 verse 14 and 15. Hebrews 9, 14 et 15. 9, 14 and 15. Hébreux, chapitre 9, versets 14 et 15. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Relis encore. Read it again. Combien plus le sang. Combien plus. On veut te montrer l'avantage qui le tient. I want to show you the benefit you have. Le sang de Jésus, the blood of Jesus, a purifié ta conscience. Has purified your conscience. Lui continue. Combien plus le sang de Christ,
qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Afin que tu serves le Dieu vivant. So that you may serve the living God. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Purifie ta conscience. Purifies your conscience. Il te fait oublier tes prostitutions. It makes you forget about your prostitution. Tes vols. Your thieves. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Mets la paix dans ton esprit. Put peace in your mind. Tu ne sens plus la culpabilité. You don't feel. You feel no more. Avant, ça te suivait partout, les avortements, les vols, tout ce que tu as fait. In the past, it was following you, abortion, all evil things that you have done, you did. Quand tu penses à tous les vols, ton cœur bat. When you think about all the robberies, your heart is beating. Tu penses aux avortements, ton cœur bat. You think about abortions. Mais depuis que le sang de Jésus a coulé, but since the blood of Jesus flowed on you, tu dors en paix. You sleep in peace. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Purifie les consciences. Purifies the conscience. Au-delà de ce que faisait le sang des animaux. Beyond what the blood of animals did. Tu dors en paix. You sleep in peace. Fini les jalousies. Jealousies tu are dors, finished. Tu dors en paix. You sleep in peace. Hébreux 10, 11. Hébreux 10. Hebrews 10. 14. 14. Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Alléluia. C'est fini. It's finished. Tu es amené à la perfection. He ascend to par perfection. Une seule offrande. Through only one offer. Alléluia. Amen. Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Sang de l'aspersion. The blood of aspersion. Qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Intercède. Intercede. Écrive. And cries. Pour que les pécheurs soient punis. So that the sinners should be soit puni. Should be punished. Le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. The blood of Jesus cries better than the blood of Abel. 1 Pierre 1, verset 2. 1 Peter 1, verset 2. Un Pierre, chapitre 1, le verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dieu t'a élu. God has elected you. Pour que tu sois de ceux qui, sur qui le sang de Jésus doit être versé. For you to be among those on whom the blood of Jesus participant should be poured. De l'aspersion. You are a participant of élu the aspersion. You are elected. Pour être participant de l'aspersion. To be participant of the aspersion. Quand le sang de Jésus est sur toi. When the blood of Jesus is on you. Tous tes péchés sont effacés. All your sins are cleansed. De culpabilité. Dis Hébreux 10, 19. Read Hebrews 10, 19. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons, we have, au moyen du sang de Jésus, through the blood of Jesus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. A free access. Access to the presence of God, to the sanctuary. Il faut connaître ça. You must know that. Pour vaincre tes ennemis. To overcome your enemies. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Tu entres au ciel sans frapper à la porte. You enter heaven without knocking at the door.
qui est propriétaire d'une maison ici? Who is the owner of a house here? Oui. Yes. Oui, oui. La sœur Kwajani. Yes, sister Kwajani. Quand tu arrives chez toi, tu frappes à la porte. When you arrive at home, do you knock at the door? Elle a les clés, elle ouvre. She has the keys, she opens. Tu entres au ciel. You enter heaven. Tu ne frappes pas à la porte. You don't knock at the door. Qui a rendu ça possible? Who made this possible? Jésus-Christ par son... Jesus Christ by his... Lire le verset 19. Read again the verse 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Qu'est-ce que nous devons faire? What should we do? Oui. Yes. Continue. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Quand tu sais close, when you know que le sang de Jésus that the blood of Jesus a coulé pour toi, has flowed for you, tu t'approches de Dieu avec un cœur sincère. You get close to God with a sincere heart. Lis le cœur. Read. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. In the fullness of faith. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. With the heart purified of an evil, a bad conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Et le corps lavé d'une eau pure. And the body washed with a pure water. Il y a des gens qui passent le temps à confesser le même péché. There are people who spend the time confessing the same sin. J'avais volé, pardonne-moi. I have stolen, forgive me. J'avais volé, pardonne-moi. I had stolen, forgive me. La conscience n'est pas pure. The conscience is not pure. Pour que tu profites. For you to take advantage, il faut que tu t'approches de Dieu. You must get close to God. Avec la plénitude de la foi, avec des cœurs sincères dans la plénitude de la foi. With sincere heart in the fullness of faith. Sinon, otherwise, les démons vont te tromper. Demons will deceive you. Ils vont perdre ton temps. They will lose your time. Nous avons un souverain sacrificateur. We have a high priest. Qui par son sang nous a donné une libre entrée, un libre accès. Whom through his blood has given us a free access to the sanctuary. La conséquence. Consequence. C'est que chacun s'approche de Dieu, son Père. Each one get near, get avec close le cœur sincère. His Father with sincere heart. Dans la plénitude de la in foi. In the fullness of faith. Le corps lavé d'une eau pure. Body washed with a pure water. Et le cœur purifié d'une mauvaise conscience. And heart purified from a bad conscience. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que tu es là? Are you there? Lis 1 Pierre 1, verset 18 à 19. 1 Peter 1, verse 18 to 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Racheté. Redeemed. Par le sang précieux de Christ. By the precious blood of Christ. C'est ce que nous sommes. It's what we are. Ce n'est pas l'or et l'argent qui nous ont rachetés. It is not gold and money
which bought us. C'est le sang précieux de Jésus. Which redeemed us is the precious blood of Jesus. Lis Matthieu 26, verset 28. Read Matthew 26, verse 28. Matthieu 26, le verset 22. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Matthieu, chapitre 26, verset 22. Je dis 26, 28. 26. 28. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Amen. This is the blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Amen. Jésus a versé le sang de l'Alliance. Jesus poured the blood of a covenant. C'est une alliance. It's a covenant. Qui ne peut pas être rompu. Which cannot be broken. Amen. Say amen. C'est une alliance. It's a covenant. Tous les ennemis. All the enemies. Connaissent cette alliance-là. Know this covenant. Quand l'ennemi s'approche de toi. When the enemy gets close to you, la première chose c'est de vérifier si tu connais cette alliance. The first thing is to check if you are aware of si this tu covenant. Ne connais pas, if you don't know it, il peut se débrouiller. He can manage. Il peut se débrouiller. He can try. Mais si tu connais, but if you know that, tu as déjà gagné. You have already won. Tiens-toi debout. Stand up. J'ai le nom de Jésus. Say, I have the name of Jesus. Lis Philippiens chapitre 1, chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Read Philippians chapter 2. Verset 5 à 11. Verse 5 to 11. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. He made himself obedient till death. Même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Till the death on the cross. C'est pourquoi. This is why. Dieu l'a souverainement élevé. God highly lifted up. Et lui a donné le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. And God has given him le nom the name au-dessus which de tout nom. Beyond all names. Afin qu'au nom de Jésus. So that in the name of Jesus. Tout genou fléchisse dans les cieux. Every knee bow down. Sur la terre. On earth. Et sous la terre. And under the earth. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Confess that Jesus Christ is Lord. À la gloire de Dieu le Père. To the glory of God the Father. Dit Jésus est Seigneur. Say Jesus is Lord. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Christ is Lord.
Jésus de Nazareth est Seigneur. Jesus of Nazareth is Lord. Acclamons Jésus. Let us clap for Jesus Christ. Ephésiens 1. Ephesians 1. 16 à 23. 16 to 23. Ephésiens chapitre 1, versets 16 à 23. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez so that you may know quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. What is the hope which is attached to his call? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? What is the riches and the glory of his inheritance? Qu'il réserve à qui? That he has planned. Au sein. For the holy ones. Dis ton nom. Qui réserve à Meunier Boniface. He has kept for me. Hey, dis ton nom. For Alphonsine, sorry. Tu risques de rater. Qu'il réserve au passé Meunier Boniface. That he has planned and kept for Sister Alphonsine. Voilà. Continue. Et quel est envers nous qui croyons? C'est-à-dire toi et moi. It means you and I. L'infinie grandeur de sa puissance. What is the endless greatness of his power? Se manifestant avec efficacité. Là, une puissance qui se manifeste avec efficacité. He has a power which is shown efficiently. Par la vertu de sa force. Through his strength. Il l'a déployé en Christ. Cette puissance. This power. Dieu l'a déployé en Christ. God shown it in Christ. Quand Christ était dans la tombe. While Christ was in the tomb. Oui, continue. En le ressuscitant des morts. Il l'a ressuscité des morts. By raising me up of death. Et en le faisant asseoir à sa droite. And he made me sitting dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. In the heavenly realms. Écoutez, continue. Listen. Au-dessus de toute domination. Au-dessus, allons-y ensemble. Au-dessus de toute domination. Over any dominion. Au-dessus de toute domination. All dominions. De toute autorité. De toute autorité. All authority. De toute puissance. De toute puissance. All power. De toute dignité. De toute dignité. All dignities. Et de tout nom. Et de tout nom. Encore. All names. Et de tout nom. And et de tout nom. 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 And all names. Et de tout nom. And all names. Le nom de tous les hommes. The name of all the men. Le nom de tous les anges. The name of all the angels. Le nom de tous les démons. The name of all the demons. Tous les démons. All the demons. All the demons. Les petits et les grands démons. The small and the big leur demons. Nom, tous leurs noms. Their names. All their names. Sous le nom de Jésus. Are under the acclamation name of à Jésus-Christ. Clap for Jesus. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Oui, continue. Yes, go on. Qui se peut nommer non seulement même les noms qui sont encore cachés qui peuvent se révéler dans le futur lointain, which are going to be revealed in the future. Non seulement dès qu'un nouveau nom est donné quelque part, il est soumis à Jésus. Dès qu'un nouveau nom est donné quelque part, il est soumis à Jésus. Tous les noms, les noms passés, les noms présents, et les noms à venir, soumis à Jésus, soumis à Jésus. Acclamation à Jésus de Nazareth. Continue. Go on. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
Il a dans le siècle à venir, c'est il n'y a pas d'espoir pour l'ennemi. In the coming age, there is no hope. Il n'y a pas d'espoir pour Satan. Il n'y aura aucune génération qui pourra relever la tête. Jésus-Christ domine pour l'éternité. Lis pour nous. Colossiens 1, verset 3, verset 12 à 23. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Rendez grâce au Père. Give thanks to the Father. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. He has delivered us from the power of darkness. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, alléluia, domination, alléluia, autorité. Alléluia. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Everything was created by him. Et pour lui. Et pour lui. And for him. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. He is before everything. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en lui. And everything exists in him. Le commencement et la fin. The start and the end. Acclamation à Jésus-Christ. And the end. Clap to Jesus Christ. Colossiens 2, verset 8 Colossiens à 15. 2, verset 8 to 15. Colossiens 2, 8 à 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Qu'un faux docteur ne vienne te tromper. Let not a false doctor come and deceive you. Que Jésus n'est pas le Seigneur. Saying that Jesus is not Lord. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car qu'aucune philosophie n'est ébranle. Aucune pensée païenne. No pagan thought. Continue. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Il est pleinement Dieu. He is fully God, totally. Vous avez tout pleinement en lui. Acclame. Clap. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que j'ai tout. That I have everything. Pleinement en Jésus. Fully in Jesus. Tout. Everything. Pleinement en Jésus. Fully in Jesus. Que personne ne te trompe. Que la, let no one deceive Bible, you. Les hommes ont écrit la Bible. That men wrote the Bible. Un homme ne peut pas écrire comme ça. No one can write like this. Continue. Qui est le chef de toute domination. Il est le chef. Is the chief. De toute domination. Of any dominion. Notre Seigneur est le chef. Our Lord is the chief. Tu dois être fort. You must be strong. Dans ton esprit, dans ta pensée. In your mind, in your thought. Tu n'adores pas les idoles. You are not worshiping idols. Tu adores le vrai Dieu. You worship the true God. Qui a tout prévu. Who has planned il everything. A prévu même tes temps de faiblesse. He has planned even your times c'est pour of ça weakness. Qu'il a versé le sang. This is why he shed his il a blood. Mis le Saint-Esprit en toi. He has put the Holy Spirit in pour you. Que l'Esprit du monde ne puisse plus jamais t'égarer. So that the Spirit of the world could no more. Tu sens la vie. Send tu you sens astray. La vie. You feel life. Tout. Everything. Pleinement en lui. Fully in continue. Him. Et de toute autorité. Toute autorité. And all authorities. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais amen. Mais
de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est-à-dire tu es un vrai croyant spirituellement. Tu n'es pas des croyants charnels de l'Ancien Testament. You are a true believer, spiritually talking. La conversion chez toi est une affaire du cœur. Conversion in your life is a matter of your heart. La vraie circoncision. It's the true circumcision. Christ ne nous a pas rassemblés pour être une bande de pécheurs. Christ has not gathered us to be a group of c'est sinners. Des circoncis de cœur. It's people who are circumcised. Jésus est puissant, alléluia. From the heart, Jesus is Il powerful. Est venu dans le monde. He has come in the world. Donner la lumière aux petits enfants. To give light to small children. Des petits enfants. Children qui méprisent le monde, who despise the world, qui attendent le royaume à venir, and waiting for the c'est coming un miracle. Age. It's a miracle. Continue. Go on. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui. We have been buried with him. Nous sommes morts avec lui. On nous a enterrés avec lui. We died with him. We have been buried with him. Vous êtes aussi ressuscité Nous en lui. Nous sommes ressuscités en lui. We are all resurrected in him. Et avec lui. Et avec lui. And with him. Par la foi en la puissance de Dieu. Ça se fait par la foi. It is done through faith. Dis je crois. Say I believe. Que ces choses sont vraies. That all things are true. Dis d'être reçu. And worthy to be received. Je les reçois. And I receive them. Je les reçois. And I receive them. Frère, tu es déjà puissant. Brother, you are already powerful. Tu es puissant. You are powerful. Nous allons revenir sur la réalité de l'enfantement. We are going to come back on the reality of bewitchment. Tout ce qu'on appelle puissance, nous avons lu. Puissance, all pouvoir. All that is called power. Autorité, dignité, Autority, domination. Authority, dignities, dominion. We have read it. Il faut détruire tout ça. Destroy all of them. Il faut détruire tout ça. Destroy all of them. Vous avez écouté les témoignages. You have listened to the testimonies. Quelqu'un a perdu un pain depuis. Someone lost a cloth since long time. C'est après le combat. It's after il the battle. Le même pain. That he can see the same cloth. On avait mis ça dans la tombe. It was put in a tomb. Dans les habits qu'on met dans les tombes là. Attention. So the cloths that are put in the tomb. Be careful. Quelqu'un meurt, un cadavre, on dit, on donne pain, complet Someone pain. Someone died, and they say, give a fabric. Et vous êtes là. And you are there. Pauvre, il dort sur le pain. Pauvre, vous êtes pauvre toute la vie. And you are poor all your life. Ils prennent les diplômes, ils ne savent même pas lire. They take the diplomas, they don't even know how to read. Ils savent que ça, c'est diplôme. But they know this is a diploma. Quand on dit baccalauréat, on dit c'est quoi? Bac là, c'est quoi? Dès que tu when lui expliques, allez, ils t'envoûtent. They say, what is it? As soon as you explain it to them, they bewitch you. Quelqu'un vient te dire, il faut que je voie ton lieu de service. Pourquoi tu ne me montres pas ton lieu de service? Someone come and say, let me show you the place you work. Why are you not showing it to me? Toi aussi dans l'orgueil. You in your pride. Tu dis, viens. He said, come. Tout ça, c'est moi, hein, c'est moi. All that is mine. Ah bon, c'est toi, tout ça. Hein. So you have a one. C'est ton bureau ici. Is that your office? Ça aussi, c'est quoi? C'est un bureau aussi. What's that? Is it an office as two? Dès qu'il sort, il sort avec tout ça. As soon as he goes out, he goes out with all of it. Tu commences à commettre des erreurs
bêtes. Start making very bad errors. Que quand on te reprend, tu sais que c'est vrai ce qu'on dit là. Je ne devais pas faire ça. When you are rebuked, you know it's true what is being said. Pourquoi? Why? L'envoûtement. Bewitchment. J'avais croisé un monsieur à Korogo. I met a man in Korogo. Il me dit, pasteur. He said, pastor. Je suis à 2 ans de la retraite. In 2 years, I'm going to retire. J'étais premier pour entrer dans la gendarmerie. I was first to be a gendarme. Tous les candidats sur le territoire national, j'étais all premier. The candidates among in the nation, I was the first. À la sortie, j'étais parmi les 5 premiers. At the end of the training, I was among the fifth, the first. J'ai formé les gens, ils sont tous gradés, je garde le même grade. I trained people, they are all appointed, but I keep my same position. Il me dit, il y a des mois où je n'ai pas 25 francs dans mon compte. There are months I have not 25 francs in my bank account. Quand je suis sorti de l'école de gendarmerie, he told me when I finished the school of army, j'avais économisé plus d'un million de francs. I saved more than 1 million of francs. Il m'a dit, je te dis ça pour te montrer que je suis un bon gestionnaire. I'm telling you all this to show you that I'm a good intendant. Il m'a dit, j'ai acheté le sable. I have bought the sand. Et j'ai acheté les briques. And I bought the bricks. Je suis allé déposer au village. I went and put it in the village. Un vieux est venu. An old man came. Il m'a demandé, ça c'est quoi? He asked me, what is this? C'est pour toi? Is that for you? J'ai dit oui. I said yes. Il est parti. He left. Il me dit, he said, c'est le seul investissement de ma vie. It is the only investment. C'est-à-dire le tas de sable et le tas de ces briques-là, c'est là-bas. It means the sand and the brick are over there. Envoûté. Bewitched. Prends ça au sérieux. Take it seriously. Tu peux mourir dans la drogue. You can die in drugs. Tu peux mourir dans la cigarette. You can die in cigarettes. Tu peux mourir dans le vol. You tu can vole tout, même in robbery, tu voles tout. You steal everything. Si tu passes chez quelqu'un, if you go, you visit someone. Juste après ton départ, il sait que quelqu'un m'a volé. After your departure, he knows that someone has stolen his money. Il y avait un homme envoûté. There was a bewitched man. Il était à Kumasi. He was in Kumasi. Il marche, il se masturbe même au bord de la route. He walked and he masturbated himself at the side of the road. C'est la misère. This is misery. Tiens-toi debout. Stand up. Tu dis toute œuvre. You say any work. Toute œuvre humaine. Or any human work. Avec l'appui et l'assistance. With the support and the assistance. De la sorcellerie ou de la magie. Of witchcraft or magic. Je dis bien toute œuvre humaine. I say all human avec le soutien du diable, with the support of a devil, avec tous ses démons, and all his demons, et le soutien de Satan, with the support of Satan, tous ses marabouts, and all toute œuvre, all works, humaine, human works, est condamné, is content, dans ma vie, in my life, j'appartiens à Jésus, I belong to Jesus. Je ne suis pas là pour servir l'ennemi. I am not to serve the enemy. Tout ce qu'on a fait. All that has been done. Tout ce qui existe contre moi. All that exists against me. Même si c'est moi-même qui ai appelé ça. Even if I am the one who called it. Il y a un temps pour toutes choses. There is a time for everything. C'est le temps de lumière. It's the time of light. Où je ne peux plus faire les mêmes choses. I cannot do the same thing. Je condamne. I contend. Je bannis. I banish. Toute œuvre démoniaque. Any devilish work. Toute œuvre démoniaque. Any devilish work. Qui a rendu possible l'envoûtement dans ma vie. Who has made possible bewitchment. Quel que soit ce qui a été utilisé. Quel que soit qui l'a fait. Whatever. What have le been père, used. La mère, les frères, les sœurs, les hommes, les tous, les tantes. Who did it. Toute personne. Everybody. D'où qu'il vienne. Wherever it comes from. Je bannis ses œuvres. I banish his work.
J'écrase ses œuvres. I crush his works down. J'ai détruit l'œuvre du malheur. I destroy the work of evil. Je proclame ma liberté. I proclaim my freedom. Toute ma liberté. All my freedom. Dans les choses physiques comme dans les choses spirituelles. In the physical things as in the spiritual things. Aucun domaine de ma vie. No field of my life. Sont contrôlés par une volonté démoniaque. Should be controlled by a demonic will. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. Je renouvelle mon alliance. I renew my avec covenant Jésus de Nazareth. With Jesus of Nazareth. Continue à intercéder pour toi-même. Keep on interceding for yourself. Condamne and destroy. Brise. Break. Renverse. Overthrow. Détruis. Brise. Destroy. Renverse. Overthrow. Arrache. Abat. Snatch. Ruine. Ruine. Pour toi-même. You can pray for et yourself. Tu peux prier pour quelqu'un d'autre. And pray for someone tu peux prier else. Pour toi-même. You can pray for yourself. Et tu peux prier pour quelqu'un d'autre. And pray for someone else. Mais frappe. Je brise toute œuvre de la sorcellerie par enfoutement. Je taille, je frappe, 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 je frappe, je frappe, je frappe, Frappe, de magie, de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, magie, sorcellerie, occultisme, envoûtement, franc-maçon, rose-croix, tout, vaudou, polo, etc. Destroy everything. Continue à prier. Keep on praying. Que Dieu descende dans la situation. So that God calm down in your que rien situation. Ne reste debout. Que rien ne reste debout. Que rien ne reste debout. Let nothing still standing up.
Dieu au nom de Jésus, nous brûlons les lieux d'enfoutement. We burn the places of brûlons les lieux d'enfoutement. We burn the places si c'est dans des forêts, nous brûlons cette forêt. If it is in the forest, we burn nous libérons les captifs. And we set the captives si c'est free. Dans l'eau, nous asséchons cette eau. If it is in water, we dry et nous, water. Nous libérons les captifs. And we set the captives si c'est dans le désert, nous détruisons ce lieu de désert. Et nous balayons les débris par la tempête. And we sweep the place by au the nom de Jésus. Si c'est sous un arbre, nous abattons cet arbre. If it is under a tree, si c'est sur une colline, nous déracinons la colline. If it is on the hills, we destroy the hills. Continue à prier, continue à prier. Keep on praying. Esprits impurs, l'armée des esprits humains, l'armée des esprits démoniaques, derrière les enfoutements, toute cette armée des ténèbres, nous jugeons l'armée des ténèbres, nous jugeons l'armée des ténèbres, derrière l'enfoutement, derrière l'enfoutement, derrière la divination, derrière la divination, au nom de Jésus-Christ, continue à prier. Dis au nom de Jésus. Nous cassons les prisons. We break the prisons. Nous cassons les prisons. We break the nous prisons. Cassons les cabanes. We break the nous cassons les bouteilles. We break the nous bottles. Cassons les canaries. We break nous the cassons pots. Tout objet. We break anything. Entre les mains des méchants. In the hands of the wicked. Pour qu'il leur permet d'opérer. Which allows them to continuons à prier. To continuons do. Dieu au nom de Jésus, nous jugeons tous les maris de nuit qui ont pour appui l'enfoutement. Nous cassons leurs liens. Nous cassons leurs liens. Nous renversons les royaumes. Nous libérons les captifs. Les captifs, vous êtes libérés au nom de Jésus. Continuez à prier. Keep on praying.
Dieu nom de Jésus. Nous cassons les tours. We break the towers. Nous renversons les tours. We overthrow the towers. Nous brisons les forteresses. We break nous renversons les tours, les tours, les tours. All the towers, we overthrow. Nous les cassons. We break them. Insistons sur les tours. Let us insist si, on the si, si on a bloqué l'esprit de quelqu'un dans une tour spirituelle, if the spirit of someone cassons et libérons-le. In a spiritual tower, we break and au nom de Jésus, Jesus, nous jugeons les tours spirituelles. We contend nous les frappons. Towers, we struggle, nous les démolissons. And we demolish, nous libérons les captifs. Continue à prier, continue à prier. Vous asseoir. Please sit down. Assieds-toi et sois concentré. Please sit down and remain focused. Tu contemples la victoire. You watch your victory. Établis sur ton autorité. You are set on your authority. Couvert du sang précieux de Jésus. Covered by the precious blood of Jesus Christ. Satan ne peut rien contre toi. Satan can nothing against you. Sa résistance n'est qu'une vanité. His resistance is vain. S'il y a un esprit qui doit partir, if there is a spirit, he must leave. Il sait que cette bataille est contre lui. He knows that this battle is against him. Va-t'en vite. Go away quickly.
Nous arrachons tout ce que l'envoûtement a retenu. We snatch out all that bewitchment has destroyed. Nous redonnons à chacun ses biens. We give it back to each one. Restez concentré, le Seigneur travaille. Remain focused, the Lord is at work. Pour mettre fin à l'humiliation. To put an end to the shame. À l'opprobre. To the shame. À la souffrance. To suffering. À l'esclavage. To slavery. Changer l'histoire de chacun. To change the story of each one. Au nom de Jésus. Nous brisons le jour de tout mari de nuit. We break the yoke of any spirit husband. Donc il n'a plus où aller. You will know, you will have nowhere to go. Nous enlevons l'alliance. We remove the ring. Nous déchirons le contrat. And we tear off the agreement. Va-t'en. Go away. Pose les mains sur ta tête. Lay your head, your hand on your head. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. J'arrache à l'ennemi. I snatch out the hand of the enemy. Tout ce qu'il m'a volé. All that he has stolen from me. J'arrache à l'ennemi. I snatch out the hands of the enemy. Tout ce qu'il m'a volé. All that he has stolen from me. J'arrache à l'ennemi. I snatch out tout ce qu'il m'a volé. Of the enemy what he has stolen from me. J'arrache à l'ennemi. I snatch out of sin. Tout ce qu'il m'a volé. What all that the enemies have stolen from me. J'arrache à l'ennemi. I snatch. J'arrache à l'ennemi. J'arrache à l'ennemi. J'arrache à l'ennemi. Tout ce qu'il m'a volé. All that he has stolen from me. Qu'ils soient morts ou qu'ils soient encore vivants. Being dead or living. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je brise l'obstacle. I break the obstacle. Toute porte fermée devant moi. Any door closed before me. By the enemy. Brise. I break. Je brise. Je brise. I break. Je brise. I break. Je casse. I break. Toute porte. I break any door. Fermée devant moi. Closed before me. L'ennemi. By the enemy. Par l'ennemi. By the enemy. Porte. Any door. Fermée. Close. Je la brise. I break je la brise. It. I break it. Je la brise. I break it. Toute porte. Any door. Toute porte. Any door. Fermée devant moi. Close before me. Par l'ennemi. By the je enemy. La brise. I break je la brise. I break it. Je la brise. I break 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 it.
Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. D'un commun accord. In a common agreement. Nous nous levons contre toute armée. We stand against any army. Toute armée des ténèbres. Any army of darkness. Qui a bloqué une bénédiction. Which has blocked a blessing. Ou bien qui a attaqué une bénédiction. Or attacked a blessing. Toute armée des ténèbres. Any army of darkness. Qui a attaqué une bénédiction. Which has attacked a blessing. Ou qui a bloqué une bénédiction. Has blocked the blessing. Nous cassons cette force. We break this strength. Nous brisons. We break et nous l'anéantissons. And we destroy it. Continue à prier. Keep on praying. Il y a des gens dont les bénédictions ont été attaquées. There are some people whose blessings have been attacked. Ce que Dieu t'a donné. God has given to you. On a placé un esprit. And a spirit has been called. On a placé un esprit. A spirit has been put to trouble you pour que tu ne juges pas de ta bénédiction. So that you may not rejoice from your blessing. On a placé un démon. They have put a demon pour t'empêcher to prevent you de jouir de ta bénédiction. From rejoicing from of your Dieu, blessing. Au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous cassons. We break tout obstacle, any obstacle contre la prospérité et la bénédiction. Against prosperity and blessing. Nous cassons. We break. Nous brisons. We break. Nous cassons. We break. Tout obstacle, any obstacle sur le chemin de la bénédiction. On the way to blessing. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous jugeons. We contend. Tous les obstacles. All the obstacles. Sur le chemin des vrais mariages. On the way of true. Tous les obstacles. All the obstacles. Sur le chemin des vrais mariages. On the way of true. Tous les obstacles. All the obstacles. Tous les esprits. All the spirits. Tous les esprits. All the spirits. Tous les démons. All the demons. Toute l'armée des ténèbres. All the army of darkness. Contre les vrais mariages. Against true marriages. Nous brisons. We break. Nous cassons. We break. Nous libérons les vrais mariages. And we set the true marriage free. Les mariages selon la volonté de Dieu. Marriages according God's will. Les mariages selon la volonté de Dieu. Marriages according to God's will. Dis les mariages. Marriages selon la volonté de Dieu. According to God's will. Écoute. Listen. Si tu étais contre le mariage. If you are against marriage. Tu dis j'aime le mariage selon la volonté de Dieu. Say I love marriage. Et je m'engage à me préparer. Je m'engage. And I engage myself. Alors, je m'engage à me préparer. I engage myself to prepare. Pour me marier selon la volonté de Dieu. Dis je m'engage. Say engage. Dis démon, tu te trompes, je m'engage. From where you are, say I engage à partir d'aujourd'hui. From today, pour aimer un vrai homme.
to love a good man. Dans la volonté de Dieu, l'épouser et être sa femme. And in the will of God, to marry him and to be his wife. Dis-lui, tu comprends que tu dois partir. Tell him you understand that you should leave. Va-t'en, donc, va. Go away now. Va-t'en. Go away. Écoutez. Listen. Écoutez. Listen. Le Saint-Esprit dit que beaucoup de femmes ne sont pas prêtes. The Holy Spirit says that many women are not ready. Que si c'est pour la volonté de Dieu, si c'est selon la volonté de Dieu. And that if it is according to God's will. Il y a encore des problèmes de caractère. There are still problems of character. La méchanceté. Wickedness. La paresse. Laziness. L'indulgence. Il dit, pour, il faut abandonner ça maintenant, il va agir. He says, you should abandon all of that and he will do it for you. Tu dis, je suis prêt, papa, je suis prêt. And you say, Dad, I am ready now. Je suis prêt, mon père, je suis prêt. Say, Dad, I'm ready now. Et le baobab va tomber. And the baobab will fall down. Oui, il faut résoudre ça maintenant. Ne dis pas, je vais me retirer après. Sort it out right now. Don't say, I will go on a retreat later. Tu dois être prêt. You must be ready. Prêt, prêt, prêt. Ready, ready. Si c'est selon la volonté de Dieu. If it is according to God's will. Il y a des choses que tu dois revêtir. There are things you must cover yourself. Il y a des choses que tu dois revêtir. There are things you must cover yourself. Il y a des choses que tu dois revêtir. You must cover yourself. Si c'est selon la volonté de Dieu. Some things, if it is according to God's will. Il y a des choses que tu dois revêtir. There are things you must cover yourself. Si tu es prêt, dis Seigneur, je suis prêt. If you are ready, say, Lord, I am ready. Dis, je suis prêt. Say, I'm ready. Accorde-moi ta grâce, je suis prêt. Give me your favor, I am ready. Dis, Seigneur, accorde-moi ta grâce, je suis prêt. Say, Lord, give me your favor, I am ready. Dis, oh Père. Say, oh Father. Accorde-moi ta grâce. Give me your favor. Je suis prêt. I am ready. Continuez à travailler, vous allez. Les hommes doivent faire le même travail. Men should do the same work. Si c'est selon Dieu. If it is according to God. Il y a encore des gens qui ne sont pas capables de donner même l'argent à leurs épouses si c'est marié même maintenant. There are still men who are not able to give money to their wives if they get married now. Ils sont si égoïstes. They are so stingy and selfish. Ils ne sont pas prêts. They are not ready. Ils bloquent les ossements. They block God's answer. Et s'il y a un frère parmi nous qui fait souffrir sa femme, if there is a brother in our midst, who makes his wife suffer? Demande pardon. Ask God to forgive you. Ask God to forgive you. Si nous demandons pardon, Dieu va travailler. Il a commencé déjà. If we ask God to forgive, he will work. He has started already. Les hommes doivent aussi faire cette prière là. Men should do the same prayers. S'il y a un frère cupide, il se repent. If there is a greedy, a stingy brother, let him repent. Dieu va agir. God will walk. Si tu finis, tu commences à intercéder pour les autres. If you finish, you start praying for others.
Satan, va-t'en vite. Satan, go away quickly. Va-t'en vite. Go away quickly. Va. Go. Va. Go. Et ne reviens plus. And never come back. Si tu es marié, if you are married, repens-toi de toute attitude qui n'est pas bien. Repent from any attitude which is not good. Dieu est en train de traiter de nous émonder. God is treating us. Si tu insultes ta femme souvent, tu demandes pardon. If you use to insult your wife, you beg, you ask God to forgive you. Si tu es un mauvais mari, repens-toi rapidement, Dieu est en train de travailler. If you are a bad husband, repent quickly, God will help you. Le Seigneur nous exauce pourvu qu'on corrige les foyers qui existaient déjà. But he wants us to correct the couples which already exist. Dis mauvais esprit. Say evil spirit. Donc qu'on appelle mari de nuit. You. Who are called spirit husband or spirit wife. Je suis d'accord. I agree. Pour les mariages selon Dieu. For marriages according to God. Entièrement d'accord. I entirely agree. Pour un mariage. With marriages. Selon le cœur de Dieu. According to God's will. Je suis prêt. I am ready. Je peux corriger tout. I can correct everything. Alors va, va. Then leave. Je n'ai pas besoin de toi. Go. I don't need you. Le sang de Jésus est sur moi. The blood of Jesus is on me. Je me suis repenti. I've repented. Le sang de Jésus est sur moi. The blood of Jesus is on me. Le sang de Jésus est sur moi. The blood of Jesus is on me. Le sang de Jésus est sur moi. The blood of Jesus is on me. Le sang de Jésus est sur moi. The blood of Jesus is on me. Le sang de Jésus est sur moi. The blood of Jesus is on me. Le sang de Jésus est sur moi. The blood of Jesus. Va-t'en. Go away. Va. Go. Va-t'en. Go away. Va-t'en, maintenant même, va-t'en. Non. Dieu, au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous sommes tous d'accord we are all pour les mariages selon la volonté de Dieu. We all agree about the nous déchirons marriage, les mariages démoniaques. We tear off a demonic marriage. Fondé sur des alliances démoniaques. Founded on demonic. Et mensongères. And liars. We tear them off. Nous libérons les mariages. And we release
arranged pour marriages tous les vrais enfants de Dieu. Of all the true children et of God. Hommes et femmes. Men and women. Et nous guérissons les foyers malades. And we heal the sick marriage. Nous chassons, lève ta main droite. Put up your right hand. Dis, nous intercédons maintenant pour tout couple malade. Now we are praying for any sick couple. Menacé de séparation. Threatened to separate. Malade. Sick. Intercédons en langue. Let us pray in tongues. Gardez le calme. Keep calm. Après les mariages de nuit, after the spirits, délogeons tous les esprits de mort. Let us remove all the spirits of death. Qui ont suivi quelqu'un? Who have followed someone? Ou qui habitent quelqu'un? Or live in someone? Ou qui sont à la maison? Who are at home? Ou qui sont dans la voiture? Being in the cars. Chassons-les. Let cast all of them out. Que les enfants de Dieu soient heureux. So that the children of God should be happy. The esprit de mort. Say spirit of death. Nous te jugeons. We condemn you. Et nous te frappons. And we strike you. Nous te jugeons. We condemn you. Nous te frappons. We strike you. Nous te chassons. We cast you out. Nous brisons tes appuis. We break your support. Nous brisons tes soutiens. We break all your support. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Sors et va-t'en, sors et va-t'en. Go out and leave. Go out. Sors et va-t'en, sors et va-t'en. Go out and leave. Sors et va-t'en. Go out. Sors et va-t'en. Go out. Même si tu es à la maison, sors et va-t'en. Even if you are at home, go out. Si tu me suivais ou si tu suivais quelqu'un, sois-t'en, sors. If you are following me or following someone else, go out. Si tu as possédé quelqu'un, sors et va-t'en. If you have possessed someone, go out. Nous te frappons. We strike you. 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 Nous te chassons. We cast you. Nous te chassons. We cast you. Sors et va-t'en. Go out. Sors et va-t'en. Go out. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Go out. Sors. Go out. Va-t'en. Allez. Au nom de Jésus. And forever. Oh, Rabaka, Sabaka, Rabaka. Gardez le calme. Keep calm. Gardez le calme. Keep calm. La mort toi-même. C'est death yourself. Va. Go. Va.
Dis la mort, va-t'en. C'est le death, go away. Dis la mort, va-t'en. C'est death, go away. Dis la mort, va-t'en. C'est death, go away. Dis la mort, va-t'en. Death, go away. Dis la mort, va-t'en. Death, go away. Va-t'en, va-t'en. Go away. Go away. Va-t'en, vite. Go away, quickly. Va-t'en, vite. Go away, quickly. Sors et va-t'en. Go out and leave. Gardez le calme. Keep calm. Tu ne touches à aucun enfant. C'est ta no child. Va-t'en. Leave. Tu ne touches à aucun enfant. Va-t'en. No children. Go away. Gardez le calme. Keep calm. Dis esprit de serpent. C'est spirit of serpent. Tu es exposé. Exposé. Même si tu donnes les songes. Even if you give dreams. Et les divinations. And divination. Nous n'en avons pas besoin. We don't need it. Nous avons le Saint-Esprit. We have a Holy Spirit. Pour nous parler. To speak to us. Pour nous donner des visions. To give us visions. Pour nous donner des songes. To give us dreams. Nous refusons pour toi. We refuse yours. Même si les parents t'avaient acheté. Even if our parents bought you. À prix d'argent. With money. Même si t'avais acheté. If I bought you avec des sacrifices, with sacrifices, des sacrifices humains, human sacrifices, ou des sacrifices de moutons, de poulets, or sheep,
or chicken. Quel que soit le moyen par lequel tu es venu. Whatever the means by which you va-t'en came. Va-t'en maintenant. Go away now. Nous te frappons. We strike you. Esprit de serpent. Spirit of serpent. Que tu sois python ou tout autre being serpent. Being a python or any kind of snake. Va-t'en. 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 Go away. Va-t'en, va-t'en, go va-t'en. Go away, go away. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go away, go away. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go away, go away. Va-t'en vite. Go away quickly. Gardez le calme. Keep calm. Gardez le calme. Keep calm. Va-t'en vite. Go away quickly. Va-t'en. Go away. Rabaka, 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 Rabaka. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous te sortons de ta cachette. We take you out of your hidden place. Même si tu es entré dans la terre. Even if you are nous te frappons là-bas. We remove nous you. Te sortons de là. We remove you from te jeter dans les déserts. And we throw in the wilderness. Sors et va-t'en. Go out. Dieu au nom de Jésus. In the name of Jesus. Si tu es en même temps un mari de nuit. If you are the same way a spirit husband. C'est-à-dire un mari de la sorcellerie. La nuit dans l'anthropologie, c'est la sorcellerie. In anthropology. Quand la mari night de nuit là, c'est le mari dans la sorcellerie. When we say spirit husband, it means a husband in witchcraft. Quand on dit les choses de la nuit, c'est la sorcellerie. When we say things of the night, we mean witchcraft. Et même si tu es marié dans la sorcellerie. If even if you are married in witchcraft. Nous te taillons en pièces. We cut you into pieces. Nous te taillons en pièces. We cut you into pieces. Nous te taillons en pièces. We cut you into pieces. Garde le calme. Keep calm. Jésus est Seigneur. Jesus is Lord. Si tu es une femme, if you are a woman, qui n'a pas d'enfant, who has no child, pose les mains sur ta tête. Put your hand on your head. Ola bakashara. Si tu es une femme qui n'a pas d'enfant, if you are a woman, who has no child, pose les mains sur ta tête. Lay your hand on your head. Prions en langue. Let us pray in tongues. Ora bakashara 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 bakashara
Toi qui n'as pas d'enfant. C'est who you have no child. Le Seigneur Jésus te bénit. The Lord Jesus bless you. Le Seigneur Jésus te bénit. The Lord Jesus bless you. Le Seigneur Jésus ouvre tes entrailles. The Lord Jesus open your womb. Le Seigneur Jésus te bénit. The Lord Jesus bless you. Toi qui n'as pas d'enfant. You who have no child. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Te bénit. He's blessing you. Te rend fertile. He make you fertile. Toi qui n'as pas d'enfant. You who have no child. Jésus de Nazareth. The Lord Jesus. Te bénit. Bless you. Te rend fécond. And make you te rend fécond. And make you fertile. Te rend fécond. Fruitful. Te rend fécond. And makes you fruitful. Gloria kaseka, rabakaseka, rabakaseka. Toi qui n'as pas d'enfant. You who have no child. Toi qui n'as pas d'enfant. You who have no child. Le Fils de Dieu vivant. Le Seigneur Jésus de Nazareth, te rend fécond, te rend fécond, te rend fécond, te rend fécond, te rend fécond. Toi, toi, qui n'as pas d'enfant, toi, qui pleure, qui pleure, quand tu es seul, Jésus te voit et te rend fertile. Entraille. Ouvrez-vous au nom de Jésus et que la volonté de Dieu soit accomplie. Et que la volonté de Dieu soit accomplie. Prions à l'an, prions à l'an. Le Seigneur Jésus, brise la stérilité. Brise la stérilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère tes entrailles. Libère tes entrailles. Tu auras la joie d'avoir un enfant. You will have the joy to have a child. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. Même si c'est une montagne, even if it's a mountain, nous la brisons. We break it. Ouria bakara kabaka, ura bakashira baka. Tout homme, any man, tout homme, any man, tout homme, any man, stérile, barren, qui veut les enfants, who want children, nous te bénissons. We bless you. Homme, man, que tes entrailles soient fécondes. Let your womb be fertile. Nous te délivrons de l'anxiété. We deliver you from barrenness. Nous te délivrons de l'angoisse. We deliver you from anguish. Nous te délivrons de l'incertitude. We deliver you from uncertainty. Nous te rendons féconde. We make you much fruitful. Nous te rendons féconde. We make you fruitful. Que tes spermatozoïdes se multiplient par centaines de millions. Be multiplied by hundreds of millions. Vigoureux. And strong, rapide, strong and quick. Guéri, 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 guéri. Healed, 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 healed. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Be healed. Oh, rakabakajora. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. De la stérilité masculine. From male. Au nom de Jésus. Barrenness. In the name of Jesus Christ. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Merci. Thank you.
Cher ami, tu vois que le diable travaille pour que tu sois malheureux. Dear friend, you can see that the devil is working for you to be miserable. Mais Jésus est venu pour te sauver. But Jesus has come to save you. Avant les deux derniers sujets de prière. Before the two last prayer topics. Si tu veux donner ta vie à Jésus. If you want to give your life to Jesus. Comme tu sais que le diable n'est pas bon, je veux donner ma vie à Jésus. Lève ta main. You are aware that the devil is not good and you want to give your life to Jesus. Put up your hands. Vite. Quick, come here quickly. Toi-même tu vois comment le diable est mauvais. You can see by yourself. Lève-toi et viens. As the devil is weak. Levez-vous, venez vite. Stand up and come quickly. Ça, c'est bien. Venez ici. Come. Venez vite. Come quickly. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Satan est mauvais. Quitte son camp, viens. Satan is bad. Leave his place and come. Les démons sont mauvais. Quitte leur camp, viens. Demons are bad. Leave their places and come. Viens. Come. Viens vite. Come quickly. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Viens vite. Come quickly. Qui d'autre? Who else? Si tu es rétrograde. If you are backslider. Viens. Come. Tu n'as pas besoin d'exhortation. Viens seulement. You don't need any word. Come now. Viens vite. Come quickly. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Acclamons plus fort que ça. Let us clap louder than this. Lève-toi et viens. Stand up and come. Viens donner ta vie à Jésus. Stand up and give your life to Jesus. Levez vos mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Do we have someone else? Oui, viens vite. Yes, come quickly. Non, celle-là ne vient pas ici. Les frères aiment les âmes, donc dès que tu bouges, levez les mains. Put up your hand. Levez les mains. Put up your hand. Dis Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parlez fort comme moi. Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus Christ. Tu as versé ton sang pour moi. You have poured your blood. Tu m'as lavé. You have washed me. Tu m'as purifié. You have purified me. Tu as ouvert la porte devant moi. You have opened the door before me. Mais j'étais aveugle. But I was blind. Je ne te voyais pas. I could not see you. Ce soir. Tonight. Devant tes enfants. I see your children. Et devant les anges. Before your children and the angels. Je te donne ma vie. I give you my life. Je te donne ma vie. I give you my life. Je demande pardon. I beg your pardon. Pour les péchés que j'ai commis. For the sins that I have committed. Les péchés qui habitent en moi. Because you live in me. Je prends l'engagement d'arrêter tous les péchés. I take the commitment to stop all the sins. Je vais te suivre. I will follow you. Je veux qu'on me sépare de la malédiction. I want to be separated from the curse. Qui règne dans ma famille. Which is in my family. Je suis d'accord.
I agree. Qu'on me sépare de la sorcellerie. To be separated from witchcraft. Parce que je veux marcher avec toi. Because I want to walk with you. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand on your head. Dis Seigneur, pendant que je viens. Say Lord, while I'm coming. Je suis fatigué. I'm tired. Fatigué de maladies. Tired of diseases. Des échecs. Of failures. Des rejets. Of rejections. L'amertume. Of bitterness. Plusieurs fois j'ai voulu me suicider. Many times I wanted to suicide. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. Pardonne-moi. Forgive me. Lave-moi. Wash me. Pardonne-moi. Wash me. Lave-moi. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Sit down. Tends ta main. Lay your hands. Prie que les démons qui essaient de résister s'en aillent maintenant même. Pray that all the demons who are trying to resist leave now. Cassons votre résistance. We break your resistances. Et nous bénissons les frères. And we bless the brothers. Prions que les frères aient le discernement. Let's pray that brothers have discernment. Pendant qu'ils chassent les démons. While they are casting out demons. Nous bénissons les frères. Let's bless them. Avec le discernement. To have discernment. Afin qu'un esprit ne se cache. So that no spirit hide. Par les simulations. By simulations. Amen. Amen. Jésus Christ. Jesus Christ. Il reste une chose. Pour que la soirée soit parfaite avant les deux. For the night Josias, to be perfect before Josias the end. Déjà l'argent. It remains one thing. Pour distribuer Joseph combien de livres? Are already the money to sell the books. Combien? 82. Bon. Si tu as, on ne veut pas demander l'argent. Si tu as 500, tu viens prendre le livre. We don't want to ask money. Tiens-toi là, en même temps, 500 francs, you come and take a book. 500 francs. 500 francs. Et si ça finit, tu vas t'asseoir joyeusement. If it's finished, you go back to your seat. Il y a la première personne joyfully. Qui est derrière toi. Renversement des idoles, renversement the des idoles. The overthrow of idols. Ça, c'est les enfants de Dieu zélés, acclamés. Ça va vite finir, hein? Ce n'est pas beaucoup. Non, donne les livres, ne parle pas. Dès que tu vois l'argent, tu prends, il n'y a pas de rang. Ne parle pas là-bas. Dis-lui de se tenir et de donner les livres. Il ne faut même pas de rang. Si quelqu'un donne l'argent, tu prends l'argent, tu lui donnes le livre. Il faut rester sur place comme Josias. On ne bouge pas. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ.
Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Tenons-nous debout. Let us stand up. Vous voyez, le Seigneur est en train d'opérer beaucoup de guérisons. You see, the Lord is operating a lot of healings. Yes. Dis Seigneur, merci pour toutes les guérisons. Say Lord, thank you for all the healings. Depuis le début de la croisade. From the start of the crusade. Dis merci pour les guérisons de cette année. Say thank you for the healings of this year. Dis merci pour ceux qui sont venus rendre témoignage des guérisons de l'an passé. Thank you for people who have come to give a testimony about the healings of last year. Oh, Père. Say, oh, Father. Au ciel. In heaven. Nous n'avons personne d'autre que toi. We have no one else than you. Sur la terre. On earth. Personne. No one. Dis, oh, Père. Say, oh, Father. Tu t'es révélé à nous. You have revealed yourself to us comme le Dieu qui guérit. As the God who heals. Tu as permis, oh Père, you have permitted, oh Father, que les guérisons divines, that the divine healings, ne soient pas pour nous des histoires de la, should not for our stories, de la Bible, of the Bible, au temps des apôtres, at the time of the apostles. Nous touchons les guérisons. We touch the healings. Nous vivons avec les frères qui ont été guéris authentiquement. We live with brothers who have been genuinely healed. Nous t'exaltons. We exalt you. Nous t'exaltons. We exalt you. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand on your head. Dis de commun accord. Say on a common agreement. Nous crions à toi. We cry out to you. Afin que ta parole s'accomplisse. So that your work become life. Car il est écrit. Because it's written. C'est par ses maîtrisures. It's through your wounds. Que nous sommes guéris. That we are healed. Oh Seigneur Jésus. Oh Lord Jesus. C'est par tes maîtrisures. It's through your wounds. Que nous sommes guéris. That we are healed. Seigneur. Lord. C'est par tes maîtrisures. It's through your wounds. Que nous sommes guéris. That we are healed. C'est par tes maîtrisures. It's through your wounds. Que les maladies, that the diseases, les, toutes les maladies, all the diseases, de toutes les maladies, all the diseases, sont guéris, are healed, par tes maîtrisures, by your wounds, le cancer, cancer, disparaît, disappears, par tes maîtrisures, by your wounds, l'hypertension, high blood pressure, par tes maîtrisures, by your wounds, le VIH/SIDA, disparaît, disappears, par tes maîtrisures, by your le diabète. Wounds. Disparaît. Les hépatites disparaissent. Disappear. Par tes maîtrisures. Les maux de cœur. Et toutes les maladies du cœur. Disparaissent. Par tes maîtrisures. Les poumons. Et toutes les maladies des poumons. Disparaissent. Par tes maîtrisures. Toutes les maladies du sang. Toutes les maladies du sang. Disparaissent. Diseases disappear. By your blood. By your wounds. All the hemorrhoids. Le mal de genou. Disappear. By your wounds. All the pain in les maux de hanche. Disparaissent. All the pain in the arms. Les colonnes vertébrales sont redressées. All the diseases. Par tes maîtrisures. In the bones. Les arthroses. Arthrose disparaît. Par tes maîtrisures. La drépanocytose disparaît. Par tes maîtrisures. Toutes les maladies.
toutes les maladies disparaissent, l'ulcère de l'estomac disparaît, tous les troubles respiratoires disparaissent, l'asthme et sinusite et consorts disparaissent. Départ tes mes tissus, les maladies sont guéries. Passe mes tissus, tes enfants sont guéris, les maladies disparaissent. Passe mes tissus, nous sommes guéris. Et les maladies disparaissent. Prions Allah. Karabaka, karabaka, urabaka, ragasé, karabaka, ragaka, urabaka, karabaka, urabaka, ragaka. Dis que les kystes disparaissent. Let the kystes disappear. Les kystes disparaissent. The myomes disparaissent. Les fibromes disparaissent. The fibroses disappear. Oh, disparaissent, disparaissent, disparaissent. Disparaissent, disparaissent, disparaissent. Disparaissent, disparaissent, disparaissent. Disparaissent, disparaissent. Oh, donne la joie de la guérison. Oh, give us the joy of being healed. Oh, donne la joie de la guérison. Give us the joy of being healed. À tes enfants. To your children. Oh, Père. Oh, Father. Oh, Père. Oh, Father. Oh, Père. Oh, Father. Ô Père, oh Father, que le règne de la maladie soit brisé. Let the reign, the rule of disease, que l'empire de la maladie soit renversé. The empire of diseases, qu'aucune maladie n'ait autorité sur nous. No disease has authority on aucune us. Maladie, aucune maladie. Let no disease. Aucune maladie. Have authority on aucune us. Maladie. No disease. Aucune maladie. No disease. Aucune maladie. No disease. De la tête from jusqu'à la plante des pieds. Toes, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Maladie diseases disparaît. Disappear. Si tu t'appelles maladie, you toi, tu as les oreilles. Disease. Tu entends you hear l'ordre de Dieu. The command of God. Que par les maîtrises de son fils, that by the wounds tu dois son, disparaître. You must disappear. Son fils a versé le sang. Because I poured his son blood. Fils a souffert à la croix. Because par toutes ses maîtrises, il a guéri toutes nos maladies. He has healed all our diseases. Maladies. Vous n'avez plus le droit. You have no right nos corps. To live in our bodies. Partez. Go now. Guérison divine. Divine healing. Guérison divine. Divine healing. Descends. Come now. Sur les enfants de Dieu. On the children of God. Guérison divine. Divine healing. Descends. Come down. Brûle l'opprobre de la maladie. And burn the shame of disease. Brûle l'opprobre de la maladie. Burn the shame of disease. Brûle l'opprobre de la maladie. Burn the shame of disease. Brûle l'opprobre de la maladie. Burn the shame of disease. Brûle l'opprobre de la maladie. Break the shame of disease. Et vous armés de démons. And you army of demons. Armés de puissants de ténèbres. Army of the power of darkness. Derrière les maladies. Derrière les maladies, nous vous dispersons. We scatter you. Nous vous chassons. We cast you out. Nous vous dispersons. We scatter you. Nous vous chassons. We cast you out. Avec tous les symptômes. With all the symptoms. Avec toutes les maladies. With all the diseases. Toutes les maladies et les symptômes. All the diseases and their toutes les maladies et les symptômes. All the diseases and their related. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Que la dépression. Let depression. Soit bannie et écrasée. Banish, crash. Dépression. Depression. Va-t'en. Go away. Esprit de folie. Madness. Va-t'en. Go away. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Prions à la calabacasse. Let's pray in tongues. Roka bakase karabakase baka. Ura bakase raka baka. Ura bakar raka baka. Ura bakar raka baka. Ura bakar zir 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 baka. Les maux de tête chroniques. Chronic. Partez. Headaches. Go. Ora bakasara 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 baka ora bakasara bakasara baka ora bakasara fièvre paludisme fièvre malaria go au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Les boutons, les boutons, les boutons. The spot, the spot. Les boutons, les boutons, les boutons. The spot, the spot. Partez, partez, partez. Ora bakara bakara baka. L'obésité. Va-t'en. Fatness. Que le poids revienne normal. Let the que le poids redevienne normal. Be normal. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Let us pray in tongues. Asseyez-vous. Sit down. Dites témoignage.
rapidement. 10 testimonies. Quickly. Donnez-lui le micro. Give him the microphone. Quelqu'un ferme le rang dès que ça atteint. Gloire à Dieu. As soon as we reach 10, you close the line. Ça fait combien? Commence. Gloire à Dieu. Je suis le frère Monté Roger du 65 Benjerville. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Vincent Zaba. Lorsque nous étions en train de prier et le pasteur a signalé les tours spirituelles, je signale que dans mon village, il y a des maisons d'adoration. Il y a des arbres que je déracinais, mais ce n'est pas ça. Mais ce soir, quand il a parlé des tours, il y a une chambre dans le village qu'on n'ouvre jamais. Ce soir, le Seigneur a transporté mon esprit devant cette maison. Et je vois le tonnerre qui a tonné très fort lorsqu'il a dit au nom de Jésus qui a fendillé la maison en deux. Jesus Christ. Et dans cette maison, qu'est-ce que je vois? Je vois des valises. Et je vois bien une valise que lorsque je revenais de l'université, j'ai mis tous mes documents dedans, la même couleur, j'ai vu ça et j'ai récupéré en même temps ma valise. Jésus-Christ. Jesus Christ. Offrons l'acclamation, la victoire est totale. He has recovered this suitcase. Puis il y a un jeune qui crie, vos valises sont libérées, venez les récupérer. Et dans tout le village, les jeunes ont commencé à courir pour venir prendre leurs valises. Et puis, je vois les gardiens de ce temple qui se lèvent pour aller prendre les bois et venir soutenir le mur, comme ça se fait dans les villages. En même temps, le responsable a dit et les secours, il les a jugés. Et puis, ils sont tombés, la plante qu'ils ont prise aussi est tombée sur eux. Et tout le monde est venu récupérer sa valise. Et en même temps, il a dirigé la prière sur les portes qui sont fermées. Quand il a dirigé la prière sur les portes qui sont fermées, je vois une porte s'ouvrir devant moi et c'est un grand bureau qui m'attendait. Jesus Christ. Il nous a dit de nous asseoir et de rester calmes. Et à un moment donné, il a encore pris toutes les portes. Quand il a dit toutes les portes s'ouvrent grandement et puis je vois les robes de mariage. Bien-aimé, dans mon village, je n'ai jamais vu de mariage. Mais lorsque les robes de mariage sont libérées, tous les jeunes du village ont commencé à courir pour attraper les robes de mariage. Je rends toute la gloire au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kouadiane, disciple du pasteur Meunier. J'ai eu plusieurs tableaux. Quand le pasteur a conduit la prière en détruisant tous les lieux d'envoûtement, les forêts qui devaient être brûlées, j'ai vu plusieurs forêts en feu, plusieurs forêts dans plusieurs localités qui étaient en feu, les cours d'eau qui étaient asséchés, les poissons complètement morts dans ces différents cours d'eau. Ensuite, quand il a demandé qu'on prie pour briser toutes les portes que l'ennemi a même mis devant nous. Je voyais beaucoup de portes qui se cassaient devant chacun de nous. Au fur et à mesure qu'on priait, les portes se brisaient. Nous pouvions désormais passer librement. Et puis, quand on a prié pour détruire tous les mariages sataniques et que le pasteur nous a conduit dans une prière pour des mariages divins. J'ai vu des bagues de mariage descendre, remplir ici, beaucoup de bagues. Et des bagues de toute taille, ça veut dire que même les mariages tardifs vont être corrigés. Alléluia. Je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur pour toutes ces grandes bénédictions de ce soir. Amen.
Mon nom c'est Kwadio Aou Rebecca Elsa Laure. Mon faisait des disciples c'est le pasteur Ebenezer Yapo. Je voulais rendre gloire à Dieu parce qu'il vient de me délivrer d'un envoûtement que j'ai subi depuis 2018. Parce que depuis 2018, j'avais fait un songe. On m'a tapé sérieusement sur la hanche. Depuis que je me suis réveillée, j'ai toujours des douleurs à la hanche. Je me force même pour faire certaines choses. J'ai toujours des douleurs. Jusqu'à aujourd'hui, pendant qu'on priait, c'est comme si le pasteur Meunier prêchait ma vie entière. Donc je me suis mise dans la prière. Et lorsque je priais, c'est comme si j'étais en commun. C'est comme si moi et puis les frères, on était dans la cour. Et un serpent était au milieu. Toute parole qu'on prononçait, ça lançait comme un feu sur le serpent. Au fur et à mesure qu'on prononçait des prières, des paroles, ça lançait le feu sur le serpent. Et tout à coup, j'ai senti une force sortir de moi. La douleur a disparu complètement. Et j'ai vu une porte s'ouvrir avec une lumière blanche au devant de moi. Donc je voulais rendre gloire à Dieu qui vient de me délivrer totalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et mon nom est Zadi Aude Esther. Mon faisait de d'ici, c'est le frère Bissé Allé. Je vais dire merci à Dieu. Parce que mon ventre me faisait mal, Dieu m'a guéri, donc c'est pour ça qu'il dit merci. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Allo Loba Fabien. J'ai pour faisait des disciples le pasteur Jean-Claude Delogne. Frère, il faut dire que je suis là pour dire merci à Dieu qui m'a délivré de l'envoûtement. Frère, il faut dire que bien avant que je n'arrive ici à Tiekoua, le dimanche, le samedi, j'ai fait un songe. Et c'est comme si dans ce songe, je mangeais avec 3 personnes. Et en mangeant de la viande, c'est moi-même je tenais l'assiette. Et après ça, je me suis enfui et je suis allé retrouver. En retour, on s'est retrouvé à 2 pour manger la nourriture. Et quand on a fini de manger, le matin, je me suis levé à 20h. J'ai fait le songe à 20h. Et à 21h, Il faut aller. Ce qui s'est passé ce soir. Ok, c'est papa. Donc ce soir, quand je suis arrivé, le matin, j'ai appelé mon faiseur, il m'a dit de me délivrer de ce songe. Et j'ai obéi à cela. Frère, il faut dire que quand je suis arrivé ici à Tiekoua, ce soir tout à l'heure, quand le pasteur a dit non, que de prier pour délivrer, de nous séparer des envoûtements, frère, et j'ai prié authentiquement, et le Seigneur m'a délivré de cet envoûtement. Parce que quand il a dit de garder le calme, je suis assis tranquillement et je paillais. Et j'ai senti effectivement que le Seigneur venait de me faire comprendre que j'ai été délivré de cet envoûtement. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes exaucés. Dieu a entendu nos cris. Lorsque je suis la sœur Kwasi Aya Maturin, il y a pour faire des disciples, la sœur Nyamie Marie Daniel. Lorsque nous étions de prier pour dire qu'on a cassé les portes que l'ennemi a fermées, lorsqu'on priait, les portes se sont ouvertes. J'ai vu des sacs qui étaient de partout. Chaque personne prenait pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Marty Yolande, disciple de la sœur Meunier Colette. Gloire à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu qui m'a guéri ce soir. Je suis venue ce soir avec une grosse fatigue et un mal au dos. Et ça me serrait. Je me suis dit que certainement que mon soutien était trop serré et qu'après j'allais aller desserrer. Et il n'en était rien. Gloire à Dieu. C'était un vrai mal de dos. Et quand on a prié pour dire que Jésus guérissait par la maîtrise du Seigneur Jésus, on était guéri. J'ai obtenu ma guérison et je n'ai plus mal au dos. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwaku Rosalie. J'ai pour faisait de disciples la sœur Barbosa Suzanne. Je vais rendre grâce au Seigneur pour 2 choses. Pendant que le pasteur priait pour l'esprit de mort, j'ai commencé à bailler. J'ai baillé.
et le Seigneur m'a délivré de l'esprit de mort. Je voulais dire infiniment merci au nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième chose, pendant qu'on priait pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, j'ai vu le Seigneur descendre les enfants avec les placenta. Et le Seigneur est en train de mettre les enfants dans les seins. Il mettait les enfants dans les seins. Je le suis infiniment reconnaissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. My name is Honor Destiny Friday. Je m'appelle Honneur Destiné. I am disciple to Papa Douassaï. Et mon fils de disciple, c'est l'ancien Douassaï. When Papa was asking us to pray. Et pendant que Papa nous demandait de prier. Against marriage. Pour les mariages. So as I was praying. Et pendant que je priais. Jesus saved me from Max. Jésus m'a délivré du masque. I saw a mask leave my face. J'ai vu un masque tomber de mon visage. So, then pray for me. Et j'ai été conduite. I am delivered. À l'équipe de délivrance et je suis délivrée. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Céline Marceline. Mon faiseur disciple. C'est Gata Michel. On vient de Yopougon, Mikao. J'étais malade depuis, je l'ai croisé, il m'a baptisé, il a fait tous mes trucs. Dans un mois là, j'étais bien. Dans le deuxième mois, je suis tombée malade. Maladie sur maladie, tout mon corps me faisait mal. Tout mon corps me fait mal. La maladie a commencé sur mon dos. Jusqu'à mon pied là. Maintenant, dans deux jours, je suis à la maison. Un matin, je me suis réveillée. Mon bras, la main, je ne pouvais pas soulever ça. Matin, là, on est venu. Ça me fait très mal. Ça me faisait très mal. Et je disais à mes voisines de prier pour mon bras. Mon bras là. Maintenant, j'ai appelé mon faiseur du disciple. C'est soir que Jésus a fait. Il a prié. Mon bras s'est guéri. Voilà ça. Et puis c'est moi, je courais dessus. Alléluia. Je suis très guéri. Fort. Merci.